Salut YouTube, on reprend. Bon, une dernière partie normalement. On devrait finir sur celle-là. Écoutez leur requête. Oui, on va sauver l'entrepôt, d'accord. Par contre, oui, j'ai jamais soigné Joseph. J'ai jamais soigné. J'aurais dû. Quête, bah oui. Pas de magasin par contre. Hein. J'aimerais bien un magasin. Il me faut le cloaking. Oui, attaquer le vaisseau et sauver la station. Ah! Je vais pas réduire mon esquive parce que il a un Vulcain. Ici. Donc un Vulcain, c'est une arme qui tire très lentement au début, mais au bout de chaque. Après chaque tir, il tire un petit peu plus vite. Et à la fin, il tire toutes les secondes. Quand il tire toutes les secondes, vaut mieux que l'ennemi soit mort. Ou que vous l'ayez fait tomber. Comme là, je vais le faire tomber. Allez. Il a encore tiré trop tard. Si ça avait pas miss, je me le prenais dans le cul. Quand même incroyable. Allez, on va être un peu greedy, voilà. On réduit son pilotage. Mais... Ah, oh, mais ils ont réparé tellement vite. Allez, voilà. Bon, le Vulcain est encore en ligne, mais là, il y a mon laser qui va faire des dégâts. Ça serait bien d'avoir un peu d'oxygène dans ce vaisseau. Enfin, il a retiré de l'alimentation. C'est souvent il fait ça, l'ennemi fait un peu n'importe quoi avec son alimentation. On a sauvé un magasin. Et un magasin où il n'y a pas de cloaking. Parce que ma vie, c'est de la merde. Bon, le glaive, on le vend, on le mettra jamais en ligne, ça coûte trop cher. La batterie, on va la prendre. Et est-ce qu'on prend un Zoltan? Est-ce qu'on prend un Zoltan? Il y a un autre magasin, donc on va pas prendre de Zoltan, on va aller à l'autre magasin. J'ai vendu le glaive parce que de toute façon je le mettrai pas en ligne, ça coûte 4 d'énergie et faut assez pour faire tomber les boucliers à côté. Ce qui est pas spécialement mon cas. Voilà le camouflage, voilà ce qu'on voulait. Oh, le petit anti-drone qui fait plaisir aussi. Et camouflage, oui, c'est mon dernier système, mais je suis d'accord. Et l'anti-drone, je prendrais bien l'anti-drone avec. Le reste, chargeur de batterie, c'est sympa, mais sans plus. On va prendre l'anti-drone. L'anti-drone, ça tue les drones ennemis qui sont pas loin. Et ça coûte qu'un d'énergie, donc c'est plutôt sympathique. Une autre boutique. Bah, visiblement, toutes les boutiques étaient ici, mais on s'en fout de celle-là, on n'ira pas. On va mettre de quoi alimenter tout. Et voilà, comme ça on pourra tout mettre en ligne. Et on va faire des scraps pour remettre de l'énergie. D'accord. Il m'envoie 50 millions de drones. Et il me hack le cloaking. Il me hack le cloaking, je m'en fous. Par contre, j'aurais pu le désactiver juste avant. Par contre, je vais activer ça. Bon, évidemment, il m'envahit la salle qu'il faut pas. Du coup, on s'en fout, en fait. Parce que ça, c'est un drone de ion, et du coup, il va désactiver les salles une à une. À mesure qu'il se déplacera. D'accord, ça a miss. Donc là, il a désactivé la salle là. En plus, mon drone s'est fait détruire par le drone ennemi. Parce que ma vie, c'est de la merde. Tiens. Je cloque. Voilà. Donc là, j'ai plus d'armes. C'est le truc avec ce drone là, il désactive tout dans une pièce pendant 5 heures. Donc là j'ai plus d'armes, je peux plus rien faire. Mais je peux compter sur mon laser beam pour faire des dégâts tout de même. Par contre Tef est en train de crever d'asphyxie. Parce que lui il a fait une brèche. Et donc c'est pas topissime. Oui c'est un peu désactivé du coup, parce qu'il a fait le taf. Pour activer la batterie histoire de. Avant de se faire niquer. De toute façon, là il va la désactiver. Retourne dans ta salle, toi, voilà. Pour accélérer un petit peu la cadence au chargement des armes. Oui, il n'y a plus d'esquive, alors c'est la fête du slip. Voilà. Ça fait déjà pas mal de dégâts, ça fait du bien. On n'a pas pris de dégâts par contre, donc c'est bien.
Tu as un entry drone, oui ou non, mais... Enfin si, j'en ai mis un, je l'ai mis en ligne, et puis il a été désactivé par le drone unique. Et oui, t'as de gros poumons. T'as resté pas mal de temps sans oxygène quand même, GG. Allez. Voilà. Et là, le laser va finir le taf, voilà, nickel. On est content. Encore un... Encore une arme. Ok. J'ai droppé je sais pas combien d'armes. Elle est un petit peu plus puissante que les rafales laser parce qu'elle fait dégâts doubles sur les salles vides. Par contre, le défaut, c'est qu'elle est plus lente à tirer. Donc, d'une certaine façon, ça ralentirait notre cadence de tir. Et bah, ça, on veut pas en fait. Hein. Simplement, on veut pas. Allez, réparez-moi la brèche. Après, vous irez vous soigner. Voilà. J'ai envoyé le mantis, il aide très peu, mais bon, il aide un peu. Les promos au champ sur les armes, voilà. On va remettre ça. Parce que j'ai un système de plus à alimenter avec le clocking, mine de rien. Oui, ça je peux le faire, puis en plus j'ai la sortie. Je suis au secteur 7, oui, donc il va falloir... Mais encore! Est-ce que je suis greedy? Parce que là, ce que je peux faire, c'est détresse, boutique, sortie dans la merde. J'ai cloaking et j'ai des drones. Allez, on va faire ça. Comme ça, on va essayer de récupérer un peu de scrap pour améliorer notre vaisseau, parce qu'on en a besoin. Un drone de défense. D'accord. Donc ça me donnait une quête, sauf qu'il est trop tard, et du coup, je l'ai dans le cul. Donc j'ai fait ça pour juste vendre mes merdes. Je suis complètement dégoûté. Oui, je vends mes merdes et je pourrais acheter un membre d'équipage, mais c'est cher et j'ai encore de l'énergie, donc j'en ai pas vraiment besoin. Il me faudrait 3 d'énergie pour les... Enfin, 2 au moins d'énergie pour ça. 1 d'énergie supplémentaire, donc ça fait 3. 3 plus 2... Ah oui, non. Ça passe pas. Dans l'idéal, ça passe pas, en fait. Peut-être prendre un Zoltan. J'ai tant de trucs à mettre en ligne que j'ai pas mis aussi, c'est ça qui m'embête. Payer pour un Zoltan alors que je suis tellement dans la merde. Parce que je dois absolument mettre mon rafale laser en ligne, autrement ça va être la PLS pour le boss final. Parce qu'il a beaucoup d'esquive et beaucoup de boucliers, il a 4 boucliers et 45% d'esquive. Non, tant pis, on va pas l'acheter le Zoltan. Il était sexy, hein. C'est toujours un d'énergie supplémentaire, mais bon. Ça coûte, ça coûte. D'accord. D'accord. Non, mais si vous voulez, si vous voulez. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, honnêtement. Si vous voulez me faire un milliard de dégâts directs sans que je puisse rien faire, faites-le aussi, hein. Moi, je m'en fous. Là, faut surtout pas que j'esquive le missile, en réalité. Parce que ce que je veux esquiver, c'est l'astéroïde. Il y a un petit astéroïde qui va être lancé par la base. Et voilà. Par contre, je veux pas que vous me cassez ça. Bon. Voilà, on cloque. Normalement, il va y avoir un miss. Mais je peux pas tirer, du coup. Voilà, raté. Voilà, on peut sauter, on peut s'en aller. Je crois qu'on n'a pas pris de dégâts, donc c'est bon. Voilà, il explique, il répare, et puis voilà. Allez, remettez de l'oxygène. En plus, oui, on était réparé, donc c'était bon. C'était gratuit. Ouais, véritablement gratuit. Par contre, je suis déçu que l'événement, ça soit... Il y a une quête, mais il est trop tard, donc tu l'as dans le cul. Ça, j'avoue que comme quête, ça m'a un petit peu déçu, quoi. Allez. On soigne tout le monde. Tout le monde à sa place. Puis on va voir à quel point on va se faire baiser par la carte. Oh, on se fait très très bien baiser. Parce que toutes les réparations vont sauter, vont être capturées par l'ennemi. Et pour aller à la base, bah, c'est un peu du chemin unique à chaque fois. Donc c'est un peu de la merde. Limite, faudrait rusher pour essayer d'avoir un... Merde quoi, hein. Je trouve pas mes mots.
Une station de réparation. C'est ça que je voulais dire. Donc c'était pas un, c'était une. Là, il est lourdement armé quand même, le monsieur. Hein. Et lourdement défendu. Donc tu vois, là, ça suffit plus. Mon armement ne suffit plus. Et donc ma vie, c'est de la merde. J'ai cloak, ça servait à rien. Parce que de toute façon, il avait pas assez pour que son Albert passe. D'accord. Non mais on a compris, hein. Je gagnerai plus aucun combat, d'accord. C'est ça ma vie. Donc on va compter que sur le rayon laser pour faire le taf. Pour affaiblir le vaisseau pour qu'on puisse enfin faire les dégâts. Nous derrière. Normalement il y a peu de chances que lui me fasse des dégâts. L'Albert Bim il passe que s'il y a qu'un seul bouclier. On a 3, on a beaucoup d'esquive et il a qu'un seul tir. Donc ça passe. Voilà, une brèche en plus, comme ça on est tranquille. Et du feu en plus. Par contre, il a tout réparé d'un point de vue défensif quasiment. Et ça, ça me déplaît. Ce que je disais, ça me déplaît beaucoup. Par contre, il va se reprendre un coup de rayon laser. C'est bien le rayon laser, mais ça fait qu'un seul de dégâts. Donc c'est pas... Hein. Pour faire tomber le vaisseau ennemi, il va falloir plus que ça. Hein. Rafale laser 3. Mais arrêtez de me donner les meilleures armes du jeu. Enfin, les armes les plus bourrines du jeu, merde. Je peux pas la revendre en plus. Merde. Merde, à 3 scrap. Bon, du coup, prochain saut. Ça va être tendu d'en prendre un. C'est une station de réparation. En vérité, normalement, j'en ai pas besoin si la récupération de drone marche. Mais bon, on l'a déjà vu. Ça marche pas. Oui, oui, oui. T'as vu, hein? C'est beau. C'est beau, c'est ça le sans oxygène. Il va nous falloir plus d'armes. Il va nous falloir plus de défense. J'aurais dû cloak. Quel connard. Je suis le roi des connards. Vous savez ça? Moi je le savais. Ouais, 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 ouais. Ah quand même. Une petite brèche plus qui fait plaisir. Voilà. Petit camouflage qui fait plaisir. On ferme les portes qui fait plaisir. On se débarrasse de ces connards qui fait plaisir. Pfiouf. La moitié du vaisseau sans oxygène. Ça c'est pas gênant du tout. Honnêtement on s'en fout complètement. Je te dis tant qu'on n'est pas à 0% dans les salles où il y a nos gens, on s'en fout. C'est pas... Ça va pas me chagriner le moins du monde. Allez Robert, retourne au bouclier. Non, on s'en fout. On s'en fout madame. Le petit rayon laser qui a fait un peu de dégâts. On est bien content. Et voilà. Pfiouf. Et là, voilà, on a assez de scrap pour faire ça, enfin. Oui, bon, bah attendez, parce que là, il va falloir que j'organise un petit peu. Organiser comme ça. Et là, on commence à être un peu mieux. Bon, évidemment, les réparations vont toutes sauter, parce que ma vie, c'est de la merde. Mais de toute façon, je les cherchais pas vraiment. Ça rapporte moins de scrap qu'une bataille. Mais il faut encore espérer tomber sur des batailles à chaque fois. Et pas sur des événements de merde comme ça. Pardon. Mais de l'essence à ce moment-là de la partie, ça sert à rien. La base vous en donne assez pour finir le jeu. Par contre, oui, j'ai pas de quoi contrer les mind control et ça va poser problème pour la dernière phase de l'ennemi. Surtout que j'ai deux mantis. S'il y a un mantis qui est mind control, je vais mal le vivre, tout simplement. Par contre, là, voilà, hein, là, on commence à avoir un armement digne de ce nom. Même si, hein, on a beaucoup de chance et du coup, tout passe à côté. Mais bon. Au moins, on est quasi sûr qu'il y a au moins un tir qui passe. Mais merde. Désynchronise pas tout à ce point-là, merde. Voilà, il a plus de mind control. Ça va faire déjà du bien. Ça, on va recloquer hein, pour laisser respirer un petit peu le bouclier, quelques secondes. C'est gratos. Oui. Faut pas que je me gourre avec les touches.
là il y a une brèche, donc il pourra jamais réparer ses armes, parce que c'est un truc automatisé. Donc c'est bon là normalement. Normalement il est mort. C'était beau hein. Les 14 esquives qu'il nous a fait. Parce que là je rappelle qu'on tire 7. On tire 8 bastos. 8 bastos et il est déjà affaibli, mais non, ça passait quand même pas. 57. Une boutique. On peut y vendre notre affaire de laser 3. Ce qu'on va faire, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Le combat, c'est pas pour tout de suite. Un rafale laser 2. C'est tellement tentant de remplacer un petit rafale laser 1 par un rafale laser 2 pour gagner un tir. Mais un tir... Enfin, c'est beau, un tir. Mais j'ai tant de choses à améliorer. Et ça va coûter... Ça coûterait bah, le prix de l'échange, en fait. Mais il me faut de l'énergie. Et il me faut de... Il me faut un buffer. Il me faut des buffers. Parce qu'idéalement, il me faudrait ça. Et encore, c'est même pas idéal, ça. Hein. Parce qu'en gros, s'il me hack l'oxygène, j'ai perdu. S'il me hack ou me détruit le camouflage, je suis dans la merde. Enfin, s'il me détruit le camouflage, je suis dans la merde. Et j'ai besoin d'énergie pour mettre mes drones en ligne. Surtout le drone de défense. Je pense que ça c'est bien et tant pis pour le Burst Laser 2. On en a déjà un, on va pas dépenser autant pour un seul tir. Et voilà. Bon au final on s'en tire pas si mal malgré qu'on a dû fuir tout un secteur. Et du coup on a plutôt bien rattrapé. Je vais pas le mettre tout de suite le drone parce qu'en général quand on le fait c'est de la merde. Voilà. J'ai attendu qu'il me hack quelque chose parce qu'en général le premier hack je trouve que c'est souvent le meilleur. Après ça devient vite des hacks chiants. En général, quand vous mettez un drone, ça se finit tout le temps en hacking du pilotage. Ce qui serait qui est en général le pire. Pire des hacking. Ça, je peux le mettre en ligne, mais on s'en fout, honnêtement. On s'en fout. Faut que je cloque, évidemment. On va cloquer que sur les missiles. Donc, ça fait une double sécurité avec le... Je tire un peu tard, c'est bon. Passé. Une salle pour armes et bim. Comment ça? Ah, une salle par arme. Ah. Oui, c'est le boss, il a une salle par arme. Et j'ai raté... Enfin, il a mis aucun de ses projectiles qui réduisent mes boucliers, du coup, j'ai plus aucun bouclier. Donc là, s'il décide de tirer son gros laser ou ça, bah, je suis dans la merde. Voilà, je suis dans la merde. Voilà. Comme j'ai du bol, sur les 3 tirs, j'avais 45% d'esquive, sur les 3 tirs, 0 esquive. Je vous ai dit que j'avais de la chance. Ça me fait penser à... C'est dans quoi qui dit... Ok, bon là je me suis pris le rayon laser. C'était le dernier. On va se reprendre les trois là. Non, ça n'est pris que deux cette fois. Promotion. On va essayer de tirer même si je le sens mal. Niveau timing à mon avis. Avec le cloaking je veux dire. On a raté le pilotage, c'est dommage. Ça m'a bien réduit les... L'esquive ennemi. Je fasse face. Gaffe, le missile est revenu. Il va tirer pendant qu'il va être cloque. Tu tires ton missile? Tu tires ton missile? Elle tire jamais. D'accord. Il a attendu que je puisse tirer pour tirer ses missiles. Pour que je cloque et du coup je puisse pas tirer. C'est du génie. Il est vraiment génial cet ennemi. Hein. Tiens, prends ça dans ta gueule. Bon voilà, il est mort. Par contre le défaut c'est qu'à mon avis j'ai pas tué de membre d'équipage. 20 de scrap, ça sert à rien. Mais bon, c'est gratuit. Ce qu'on peut faire c'est oxygène niveau 2 et ouvrir les portes. Comme ça, il y a assez d'oxygène. Pour que la brèche soit inutile. Il y a level 300, bah oui. La partie d'avant, elle était mieux. Car je suis là. Hein, quoi. La partie d'avion, elle était mieux. Mais non, pas du tout. La partie d'avant, c'était Clodoman et on a gagné avec Moulman. Juste parce qu'on a eu du bol avec l'Albert Beam. Mais c'était vraiment Clodoman, hein, la partie d'avant. Là, on est mieux. Hein.
On est mieux alors qu'on a loupé tout un secteur entier, c'est pour dire. Mais c'est ce vaisseau, il est trop puissant. Il est trop puissant ce vaisseau. Bon allez, c'est bientôt fini. Que deux combats. Oui, là faut l'attendre et puis c'est la dernière phase, on ira le chercher. Mais oui, on est tout à fait mieux dans ce combat-là que l'autre. Plus l'autre, j'avais pas de drone de défense, alors que là j'en ai un. Ça on va sacrifier, tant pis. Oui. Ça va être utile là, l'anti-drone, pour réduire les drones ennemis au fur et à mesure du combat. Et ce qu'on peut faire, c'est ça, pour avoir un premier tir un peu plus rapide. Même si c'est pas sûr que ça suffise assez de temps pour que le tir passe. Allez. Petit tir. Et voilà. On commence. Donc là, le problème, c'est que le missile, on va plus pouvoir le cloquer. Le cloaking va être réservé pour la surcharge qui arrive. Donc, non, on va mettre ça plutôt. Du coup. Voilà. Nickel. Par contre, il faut que je fasse. Voilà. L'autre coup, je l'ai cloqué trop tôt. Et du coup, je me suis fait baiser. Mais là, ça devrait aller. Voilà. Surtout qu'en fait, j'avais un. J'avais des drones, enfin non, j'avais une arme qui tire vite. Et du coup elle a tiré au moment où j'avais le cloaking. Et quand vous tirez, quand vous avez, pendant que vous avez un cloaking, ça réduit votre temps de cloak total. Donc ça avait été une des causes du problème. Par contre là, tu vois, c'est gratuit. Hein. On lui a ouvert le fion, mais très vite. Hein. C'était beau. L'énergie supplémentaire, j'ai plus besoin de l'anti-drone là. Ça je peux le mettre en plus, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai besoin? Oui, je vais remettre un d'énergie. Parce que je vais peut-être avoir besoin de la medbay. Mais on est à 100% d'oxygène. On va aller le chercher. Je sais pas si on va vraiment avoir besoin de cette stratégie. Bah oui. Parce que là, ça commence très très bien. La personne qui se fait mind control, c'est le pilote. Donc du coup, on a presque plus de pilotage. Notre pourcentage d'esquive baisse grandement. Et là, faut tirer. Faut tirer, madame. Ça, on peut le faire. Hein. Mind Control va me tuer mon NJ très vite. Qui a failli mourir à cause d'un missile. Je suis pas du tout deg. Par contre, lui, il est dans l'incendie. Ça gêne pas. Bah non, c'est un Rockman. Donc là on n'a plus d'esquive, c'est le début des emmerdes modèle grand V. Par contre étrangement il n'y a plus personne qui attaque. Donc là c'est passé quand même parce qu'on n'a pas de. On n'a pas d'esquive, on n'a pas de pilotage. Du coup on n'avait pas pu esquiver. Ça va être ça le principal problème de cette phase. Du coup on va viser ça. On a perdu les drones, ça c'est dramatique aussi. On a déjà affaibli le hacking, enfin le mind control, et ça c'est déjà très bien. Toi tu vas t'en aller, tu vas te soigner. J'aurais bien aimé que ça soit fait. Détruire le mind control. Ah, tout se passe mal, catastrophe en chaîne. C'est ça le défaut, mais je pense qu'on peut le finir tout de suite. Je pense que s'en aller sera une erreur. Quoique, mon cloaking est en retard. C'est bon. On a encore nos armes, on a encore la lumière, on a encore la sono. Du coup, ça peut passer. Là, je pense que même je peux cloak. Je peux même cloak niveau 2. Voilà. Quoi? Il a tout esquivé? C'est pas possible. Non, non, c'est un prank. Il a rien esquivé, en fait. Il s'est tout pris et il est mort. C'est pas possible qu'il ait tout esquivé. Il a plus de pilote, il a plus rien. Il est à poil, son vaisseau. Il est comme le mien depuis le début de la partie. Il est à poil, son vaisseau. Il lui reste un PV et il a réparé son main control. On va peut-être perdre. Hein. Parce que ma vie, c'est de la merde. C'est pour ça qu'on va perdre. Parce honnêtement, là, normalement, on perd pas. Hein. Là, là, y a un tir qui passe. Voilà, il y a un tir qui passe, c'est bon. Allez, c'est le GG. Le croiseur Zoltan débloqué, évidemment. GG à l'équipage Tef, Joseph, Locle, Chronos et Robert. GG à tous. Le Belzébuth a gagné.
Et le score est lamentable, évidemment, on a esquivé tout un secteur. Donc voilà, on a GG, malgré l'adversité. Donc voilà, sur ce, on va arrêter là, YouTube. Des bisous, un pouce bleu.